Le maître mot de la cuisine méditerranéenne, ça reste la générosité. Et on va les couper, tout simplement. Vous allez voir, c'est tellement simple que ça en est ridicule. Alors moi j'ai choisi de mettre juste de l'huile d'olive nature, mais vous pouvez utiliser des huiles aromatisées, c'est aussi très bien, on peut faire une sorte de pain à l'ail. Du coup je vais préparer une vinaigrette pendant que ça chauffe. Moi j'ai plus beaucoup de moutarde, donc je vais préparer directement dans le pot, ça c'est un peu mon astuce, c'est la vinaigrette des feignants, on va dire ça comme ça. J'utilise un vinaigre de cidre. Je trouve que ça donne un goût à la vinaigrette qui est très sympa, qui est différent du vinaigre balsamique qui est quand même très fort. Ensuite, on complète avec un petit peu d'huile d'olive. Alors, ne le faites pas comme moi avec les doigts. C'est un truc. Et on passe à l'huile type huile d'isio 4. C'est de la mélange de 4 huiles.